En direction de l'Asie. Là, on est dans le Var à Tourette. Donc, on va partir le mardi 5, tout d'abord vers l'Italie. Et ensuite en direction du Népal pour faire simple. Direction après l'Asie, Thaïlande. Ensuite, on verra. Il n'y a pas vraiment de plan. On est parti à vélo. Donc, on finit à cheval, à fusée spatiale. En quoi encore? On pourrait en train, en bus, en bateau, en ce que vous voulez. On part en vélo, mais on ne sait pas voilà. Comment on a. Donc ça, c'est notre première vidéo de présentation. Comme ça, vous savez comment on s'appelle et qu'est-ce qu'on fait. Et notre particularité, enfin surtout toi, Angèle, ça vient de toi. C'est notre façon de consommer zéro déchet qu'on va essayer de continuer d'appliquer en voyage. On va direction l'Italie. Italie veut dire glace et pizza. Allez, on est parti. Salut, donc là on est après Ventimiglia à Campo Rosso, je crois, et une tempête se prépare. Il y a un vent de folie et les nuages qui nous suivent. On va prendre la pluie. Ouais. On remonte derrière les nuages. Ouais. On a sorti le Mavic, les gens. C'est parti. Coco, on est à la frontière de la Croatie et on sort de nos passeports, on est en train de passer la douane juste derrière. On s'est fait avoir comme des bleus, c'est-à-dire que c'est pas l'euro, c'est fini. La monnaie, c'est le kuna. Un euro est égal 7,5 kuna. Donc c'est toujours dans l'espace Schengen, mais en fait, ils ont pas l'euro. Voilà, on s'est fait avoir comme des... quiches. On est au bord de mer et en fait, on vient de demander de l'eau chez le papy à côté. Et on a fini chez les enfants derrière et ils nous ont proposé sandwich et on va mettre la tente dans un endroit. Les pauvres, ça va être trop classe. Ouais. C'est pas les mêmes. C'est qui le dit, ça. C'est génial, hein. C'est vraiment une éponge naturelle, ça. Pour savoir, les rues sont un peu moins propres qu'en Slovénie. Il y a quand même des chewing-gums alors qu'en Slovénie, il n'y en avait pas un seul. Et du coup, on est en train de longer la côte croate et faut que je vous montre ça.
like a feel of a balcony. Temperature is running high, I didn't see it coming. Tell me what have you done to me. Comme pour la Croatie, je voulais vous montrer un truc. Comme quoi, c'est pas du tout des pays qui craignent. Il y a des voitures numéro 1, clé dessus, clé sur le contact. Bon, j'en ai regardé qu'une, mais je suppose qu'il y en a plusieurs, comme souvent. Allô YouTube ? Ouais, c'est pour savoir si vous pouviez un peu nous partager un peu, parce que là on fait des vues, mais laissez tomber quoi. On plafonne à 300-400 vues, on aimerait bien avoir un peu de retour, vous voyez quoi. Bisous. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao. Ouais. Hoppa. Wouh, convoi de l'extrême. Là, ça fait un beau convoi. C'est clair. Oh, les gens, on a trouvé des Français comme nous qui sont aussi fous que nous. Voilà. Ils voyagent en famille et à vélo. Et ils vont au Vietnam. Ouais, alors comme quoi on n'est pas les seuls fadades. On n'est pas les seuls fous. Oh, vous avez vu les vélos qu'ils ont? Vous avez vu comment ils sont équipés? Bon, vous avez vu ces deux riders de l'extrême? Nom, prénom, date de naissance? Non, je déconne. Qu'est-ce que vous faites comme vidéo sur. C'est quoi le sujet à peu près? D'accord. Ok, donc faut aller visiter, on prendra l'adresse, comme ça on la mettra sur notre site à nous. Comme ça il y a des gens de notre site qui viendront sur votre site. On fait un échange, ça roule. Et tu parles, enfin vous parlez de quoi dans vos vidéos? Bah, on parle de le voyage. Ok, d'accord. Vous expliquez ce que vous voyez, tout ça, ce que vous faites par exemple? Oui. D'accord, trop cool. Bon allez, on vous mettra l'adresse, comme ça vous pourrez checker ça plus tard, tranquillou. Okay. Lohan. Alexandre. Florent. Milio. Julie. Timothée. Lui c'est pas et Lupo. Cabois. Salut les amis. On vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'on va vous parler de la scolarité de Johanna pendant notre voyage. On a décidé de faire les cours avec le CNED. Le CNED c'est un organisme français qui vous permet de faire l'école par correspondance. Vous pouvez également faire des formations et vous avez toute la scolarité du CP jusqu'en peut-être 3e je crois, toute la scolarité classique que vous pouvez faire par le CNED. Donc en fait vous avez deux possibilités pour vous inscrire, l'inscription réglementée ou l'inscription libre. L'inscription réglementée, il vous faudra demander l'avis du recteur d'académie de votre département. Ou l'inscription libre, dans ce cas-là vous n'avez pas besoin de demander d'avis, vous inscrivez simplement sur le site, vous téléchargez un fichier et vous le renvoyez directement au CNED. Nous c'est ce qu'on a fait puisqu'on n'a pas obtenu l'autorisation du directeur d'académie, il n'a pas voulu nous donner son autorisation pour voyage pour convenance personnelle. Il a accordé simplement pour les raisons médicales ou éloignement géographique des parents, ce qui n'était pas le cas pour nous. Après ça dépend vraiment, chaque département un petit peu ses règles, voilà. Donc en fait, Johanna, cette année, tu es inscrite en quelle classe? CE2. CE2, d'accord. On t'a demandé de choisir une langue vivante. Qu'est-ce que tu as choisi? Espagnol. Pourquoi tu as choisi espagnol? Elle avait le choix entre espagnol et anglais. Du coup, pourquoi tu as choisi espagnol? Parce que je voulais apprendre cette langue. D'accord. Très bien. On l'a laissé choisir ce qu'elle préférait, vu que c'est elle qui va l'apprendre. Petit bonus cours du CNED, la séance d'EPS. Parce que oui, il faut faire des séances d'EPS dans les cours du CNED, parce qu'on ne fait pas assez sport. Non, je rigole. Du coup, Johanna, elle a choisi, il y avait 4 activités proposées, elle a choisi la course de durée. Du coup, là, en exclusivité, avec papa, la course de durée. Allez, il vous reste 28 secondes. Un tour, quoi. À peu près. On a simplement effectué une inscription très simple sur le site du CNED. Vous téléchargez un formulaire, vous remplissez avec nom, prénom, vous envoyez le chèque et ensuite, sous une dizaine de jours, vous êtes inscrit. Vous avez un espace en ligne où vous pouvez tout gérer, vous avez tous les supports numériques. Ils vous envoient également des supports papier, des livrets en fait, pour que l'élève puisse travailler. Nous, on ne les a pas reçus puisqu'on est parti avant de France. Il faut qu'on voie pour se les faire envoyer, voilà, c'est en cours. En attendant, on a trouvé la solution d'imprimer les cours directement, comme ça elle peut travailler dessus et c'est plus simple. Pour faire simple, il y a un cahier de bord, c'est le livret principal qui récapitule toutes les leçons et les exercices que l'élève devra faire. Et vous avez, tout est indiqué dessus, le temps, si c'est un exercice qui doit être accompagné ou en autonomie. Et ensuite, vous
avez différents pictogrammes qui vous renvoient ou vers d'autres supports papier ou sur les cours en ligne. Bon, avant de partir, une petite présentation à l'école, on va reprendre la route. On est passé dans les classes et là on repart. Chapati encore, on change pas une recette qui gagne. Alors maintenant j'ai des mords dans la poêle et je les mets sur le côté après. Bon alors 2-3 conseils quand vous faites du feu, il y a des trucs à pas mettre dans le feu. Alors premièrement il y a les coquilles de pistache. Les coquilles de pistache c'est une super mauvaise idée parce que si vous les mettez dans le feu au bout d'un moment ça explose et ça part à une vitesse, je vous raconte même pas. Il y a aussi le roseau qui est vert va se gonfler en fait d'air chaud et au bout d'un moment il va exploser tout simplement. Donc là je vous invite à regarder la vidéo précédente, on vous donne toute la recette pour faire des chapatis avec plein de goûts différents. Ça c'est assez incroyable depuis qu'on est arrivé, ça fait quelques minutes qu'on est là et il y a tout le monde qui nous accueille. Même pas du tout un quart d'heure. C'est la deuxième fois qu'on se fait offrir des œufs cuits. Waouh. Super, merci beaucoup. Waouh. Je vous montre ce que ça ressemble, c'est des œufs à... Je sais pas, ils ont une couleur bizarre, si vous avez des renseignements dessus. Ah ouais, là c'est une grande première. Bon, on est parti à jouer, mais on comprend absolument rien. Cette journée s'achève là, on va dormir ici. Les gens là avec nous. Femme. À demain. Bon, nous voilà dans un mariage maintenant. Bon bah là on rentre, le mariage est fini, on est très exactement 10 dans la voiture. Bon là on est rentré à l'appartement et il y a le mariage qui nous suit maintenant parce que c'était les voisins en fait. Bon bah voilà, il nous laisse à côté du lac Salé et on va repartir, on prend la route. Yeah. Mashallah. Mashallah. On a du mal à avancer. Là on s'est encore offrir le thé, donc on s'arrête 5 minutes, on a dû faire 500 mètres. Voilà, c'est juste impossible d'avancer, on nous demande photos. Et voilà, là on va prendre un peu de thé avec toute une famille. Voilà, regardez les gens en voiture, ils nous saluent. Bon, deuxième arrêté de la après-midi. On était en train de rouler, la voiture s'est arrêtée comme d'habitude. Ils nous ont donné plein de fruits et ils nous ont proposé de boire le thé. Du coup là ils sont en train de... Ils sont en train d'installer le tapis pour boire le thé. Ils sont trop fous. Bon, on essaie d'arrêter parce que Johanna elle a crevé pour la deuxième fois pour aujourd'hui. On avait acheté une chambre juste avant. Et là on s'est posé dans un magasin où ils font des meubles en bois et des tables et tout. Et puis quand forcément, ils nous ont amené le thé et la chambre de chumeur. Merci. Thank you. Donc Johanna a les chumeurs et nous on a le thé et voilà. Donc en fait on s'est juste posé devant leur magasin sur leur meuble en plus qu'ils fabriquent. Et ils nous amènent le thé sans qu'on ait rien demandé. C'est le thé numéro 3 je crois aujourd'hui. 3 ? Ouais. Bon après on a dû refuser une invitation à dormir au moins. Bon bah après le thé réparation de Johanna s'est transformé en posage de tente dans l'arrière-cour de la menuiserie. Bon Johanna est partie dans l'atelier du monsieur du coup. Et tu nous fais quoi alors ? Je sais pas si ça va marcher. Ok, ouais, le monsieur il a filé des clous et un marteau et du coup bah, il nous fait une construction. Bonjour. Bonjour. Il y a la gérante qui vient, enfin la gérante, la dame qui travaille ici, vient de nous amener le petit déj. Alors, on a des fruits comme d'hab et on a des espèces de gâteaux. Alors ça c'est avec des noix. Hop. Et celui du bas, je sais pas du tout à quoi c'est. Une espèce de frangipane avec des trucs à base d'amandes. On est revenu nous amener le thé
et le sucre. Bon appétit. Qu'est-ce que tu fais? Ah, ça c'est un bougeoir, ça? Oui, il est en train de faire ça pour moi. Pour toi? Il m'a dit for you, room in French. Bon, voilà un échantillon de ce qu'on nous donne dans la journée. Alors là, on a essayé de tout regrouper. On doit avoir. Ça, c'est des graines. Des graines de courge, tout ça, de tournesol, d'en avoir un bon kilo. Ah ouais, au moins. Ça, c'est de la pâte de fruits d'ici, c'est de la pomme, il y a tous les goûts, fraises, cerises. Là, bah, on a des légumes, il y en a des concombres, ils mangent beaucoup de concombres ici en Iran. Là, on a encore des fruits. Qu'est-ce qu'on a là? On a des papillotes. Là-bas, montre un peu les chocolats. Là-bas, c'est des chocolats, des gâteaux, il y a plein de trucs. Et ça, c'est des pains au... Comment ça s'appelle? Des épinards. Et ça, en dessous, c'est aux noix, une espèce de truc fourré. Là-bas, il y a du... Là-bas, il y a du jus de fruits à la cerise. Là, il y a des chips aussi, on mange jamais de chips. Alors là, on est obligé d'accepter, ils nous donnent des sacs de chips. Ouais, on mange jamais de chips. Ouais, jamais de chips, jamais de poubelles. Alors là, on n'arrive pas, c'est pas possible. Abonnez-vous et likez. À bientôt, les amis.